Bon. Bon, il est sympa. C'est pas mon pro... Oh, mec, celui-là, il... Oh là là, il est trop beau. Et salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai même pas envie d'expliquer ce qui va se passer dans la vidéo. Juste un mot. Alki. Est-ce que vous vous souvenez de Alki? Oui, on avait fait une vidéo, il avait tous les skills en avance, il avait complètement cassé le jeu. Je pense que vous vous en souvenez, la vidéo, elle vous a quand même plu, vous voyez un épisode de vite fait. Donc directement, dès que j'ai vu un petit message, il m'a envoyé un truc pour me dire ouais, Redfit, il y a des nouveaux skins qui viennent de sortir. Ça fait une journée qu'il y a la mise à jour. Le mec, il a déjà tous les skins qui vont sortir dans 5 mois. Qu'est-ce que je dois faire, Alki? Explique. Qu'est-ce que je dois faire? Perds pas plus de temps les copains, on se met directement sur le jeu. Juste avant de commencer, je vous invite à pourquoi pas poser votre petit pouce bleu sur la vidéo les copains. Allez, les 250 likes pour cette vidéo. On va baisser un petit peu le régime de likes. On va essayer de faire les 250, je compte sur vous. Et également pour les petits nouveaux, pensez à vous abonner. Également pourquoi pas vous abonner à Alki. Il fait même des glitches de temps en temps sur sa chaîne. Et il a sorti un tuto qui je pense va vous intéresser. Pensez également à mettre le code créateur Redfit dans votre boutique d'objets les copains, c'est super important. Tous les sous du code créateur, je vais les réinvestir pour à l'occasion de temps en temps vous faire des cadeaux. Donc pensez à remplir l'objectif de like dans votre commentaire. Vous mettez votre compte Epic Games. Mais par attention, hein, pas des commentaires juste avec votre compte. Hein. Vous mettez un commentaire en rapport avec la vidéo, avec dedans votre compte Epic. Et puis voilà, si du coup ça tombe sur vous, bah, vous recevrez un petit cadeau sur vos jeux si vous mettez le code créateur, ok? Tous mes réseaux, c'est Snap, Insta, Facebook, voilà, tous mes réseaux, Redfit, tout partout. Si vous voulez me follow, me parler, etc. Mon Twitch aussi, il y aura les streams du soir très bientôt. Si vous voulez me follow du coup, et voir votre tonton à cause en live le soir, flipper sur des jeux d'horreur, etc. Ça va se passer là-bas. Alki. Comment as-tu cassé le jeu aujourd'hui? Alors vas-y, à toi l'honneur. Donc des nouveaux skins qui sont pas encore sortis. Est-ce que tu aurais des infos par rapport du coup aux dates de sortie des skins que tu vas nous montrer là? Pas du tout. Donc il y a que des skins ou il y a des danses, des autres trucs peut-être? Alors, il y a, je vais te dire combien il y a de skins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 skins. Ouais. 3 danses et 3 pioches que je vais te faire montrer en même temps. Allez, vas-y. Allez, je suis chaud. On commence avec le premier skin. Donc c'est une fille. Ah merde. Ça part sur Raphaël. Oh, what? Ah, il est sympa. Elle me fait penser à un personnage, mais à qui elle me fait penser? Et franchement, il est sympa en vrai comme skin. Il a pas la même morphologie que les autres, je trouve. À quel personnage il me fait penser? Et je te jure, il me fait penser à un personnage, aide-moi. Je suis sûr que tu l'as aussi. Je suis totalement planté, j'avais oublié qu'il venait de la sortie. Ah, ok, pas grave. Vas-y, bah, je te laisse montrer les autres. Bon, cette fois-ci, c'est un mec, c'est parti. What? Celui-là, il est. Il est bizarre, c'est un mélange entre un robot et un skin un peu Bambi sur les, enfin les bras, il a aéré aussi. Avec un moule tub aussi. Ah, c'est une nouvelle danse? Bon, c'est une danse dans le thème de la lune, n'importe comment. Ouais. Il y a des chances qu'il sorte demain, non? Non, je pense pas. Elle est marrante la danse. Mais je propose un petit truc, tiens, un petit truc pour les gens sur la vidéo. Vous devez noter les skins qui sont pas encore sortis sur 10. Vous mettez, je vous donne le skin et vous devez mettre une petite note et me dire celui que vous préférez. Oh, celui-là, il est pas mal. Ouais, franchement, en fille, il est mieux, je trouve. Ouais, franchement, il est carrément stylé, ouais, il est mieux en fille. Hein. Il est aéré, il est un petit peu futuriste, on dirait un humain du futur un peu. Ça me fait penser un peu à ça, avec une combi moulante. T'en as d'autres? Waouh. Mec, attends, c'est quoi sa coiffe, là? On dirait c'est une perruque. T'as l'impression que ses cheveux c'est des vieilles pattes. Mais ouais. Il a des cheveux de Playmobil, c'est exactement ça. Tu vois, dans la coupe toute collée, il a une coiffe de Playmobil. Il a une prestance, il est pas mal, mais ses cheveux ils me dérangent. Hein. Bon, il est sympa, c'est pas mon problème. Oh mec, celui-là, oh là là, il est trop beau. Mec, il est trop stylé celui-là. C'est un boulot en fait, ça. Il a ses pattes là. Et là, je suis sûr les abonnés vont deviner ce que je pense à ce moment-là. Je s'appelle Groot, direct, carrément. Il est trop stylé, attends. Je pense que je vais le zoomer sur la vidéo tellement je le trouve trop propre. Il a une tête d'hérisson un petit peu. Ses pattes et ses bras, c'est du boulot, c'est des écorces. Et avec des feuilles. Ça, je vais le renommer comme ça, ton bot. Je s'appelle Groot. Attends, pour la miniature, ça va être trop propre. Bah franchement, celui-là, je crois que c'est le plus beau. Hein. J'ai même pas vu les derniers, mais je crois que c'est le plus beau. Bon, allez, vas-y. À toi l'honneur pour les suivants. Ah, il me fait déjà penser à un skin. Ouais, il est pas mal, il me fait penser à un skin qui est déjà sorti par contre. Il a la même tête et il a le corps d'un autre skin. En fait, c'est un skin réuni en x2 avec deux autres skins à la place. Ouais, c'est une fusion et skin quoi. Une meuf, voilà, c'est ça. Ouais, il est propre avec le petit bombers rouge, les petites casquettes et le casque, avec les petits lacets rouges qui suivent avec la veste. Alors là. C'est ça que je me rappelle qu'il a 2000 V-Bucks. Ouais, il est stylé aussi. Hein. Il me fait penser un petit peu à Slenderman. Il y a un petit truc à Slenderman avec la cape du corbeau. Mais je préfère comme le Groot. Hein. Le Groot, il est au-dessus quand même. Bon, il est pas mal. Oh, pas mal aussi. Il y a des danses intégrées. Donc, elle a celle-là. Il y en a combien? Il y a plusieurs danses? Ça, faut juste attendre un peu et voilà. Là, elle fait deux danses en fait. Ah, donc c'est une fée ou une... Ouais, non, c'est une sorcière. Bah, c'est toujours dans le thème d'Halloween. Hein. Le chapeau, ça me fait penser à celui dans Harry Potter. Là. Gryffondor. Ça fait stylé les petites ombres, il y a comme des ombres et tout qui sortent de son corps, c'est... Bon, ça c'est la celle-là. Ah non, celle-là c'est celle qui est dans la boutique. Waouh, pas mal. Donc la danse là par contre elle est sortie dans la boutique. Je pense que c'est les skins qui vont sortir dans les jours prochains dans la boutique en fait. Du coup, en pioche, on a bah, sa pioche à lui.
Donc je vais te la faire montrer avec la danse. Elle est plutôt stylée aussi. Ouais, elle me fait penser à une pioche qui est déjà sortie. Sauf que celle-ci, elle est bleue. On a cette pioche là, donc c'est la pioche qui est avec les petites cartes cadeaux là. Les petites cartes. Donc elle est là. Franchement, je la trouve stylée. Hein. C'est avec le code, hein, ouais, c'est ça, ouais, j'ai déjà vu ouais, c'est cette pioche là. On a la dernière. Je fais une petite danse avant. Voilà. Et puis celle-là, c'est celle qui est actuellement aussi dans la boutique, vu que. Et c'est quoi dedans. C'est quoi dessus? J'ai pas bien vu, c'est une main. Bah, ma préférée, c'est quand même la pioche qui va avec le skin que t'as mis là. T'as d'autres danses peut-être encore à montrer? Non, parce que tous les autres sont encryptés. T'as aussi une banane qui est encryptée. Donc elle a la moitié de banane et le reste, c'est on voit ses os. Ah oui, même elle était dans le trailer. Voilà, c'est ce skin là. Voilà. Je le montrerai sur la vidéo. Il devrait être disponible aussi. Peut-être que bientôt on pourra le faire du coup avec Alki puis vous le montrer. Bah écoute, vas-y, bah merci Alki d'avoir montré ça à tous les copains de la chaîne. On se recadre bientôt du coup pour checker des cadeaux de nouveautés pareil. Des nouveaux skins pour réagir à ça avant qu'ils soient dans la boutique. Bah écoute, Alki, à bientôt. Je vous invite à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Puis voilà, on se recadre très bientôt pour d'autres vidéos chez votre tonton Tacos avec Alki ou non. Puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul, these pills leave you empty.